Bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de juin. Bien entendu, c'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants et lunaires du signe Verseau. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est pas la peine. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages sont pour d'autres personnes. Donc on commence ici, on parle d'un homme, et on parle d'une femme. Et que cet homme, par rapport à une femme, ou alors cet homme et cette femme, eh bien, on parle de cœur brisé. Soit c'est l'un qui a brisé le cœur de l'autre, soit c'est tous les deux qui ont eu le cœur brisé mutuellement. On parle de cœur brisé pour les deux, pour moi. C'est tous les deux qui ont le cœur brisé. Et que par rapport à ce cœur brisé, on ressent beaucoup de tendresse. On ressent beaucoup de tendresse. Malgré le cœur brisé, on ressent énormément de tendresse pour cette personne. Donc, possible que ce soit pour les deux. Pour les deux, l'homme et la femme, il y a beaucoup de tendresse mutuellement, je pense, et que donc il y a beaucoup de tendresse et on parle d'abondance, abondance de tendresse, une abondance de tendresse, une abondance d'amour. Ici, on parle d'un homme qui a des blocages. On parle de quelqu'un qui a des blocages matériels et financiers. Il y a des blocages financiers, matériels, enfin bon. Et par rapport à ces blocages, ça peut bloquer justement une nouvelle rencontre. Il y a des blocages financiers qui empêchent une rencontre, qui empêchent une nouvelle rencontre. On parle de nouvelles rencontres proches. Mais comme il y a des blocages financiers, ça peut retarder cette nouvelle rencontre. Et c'est vis-à-vis de cette nouvelle rencontre, c'est en rapport avec une âme sœur ou une âme sœur jumelle. Soit une âme sœur, soit une âme sœur jumelle. Et on vous dit que par rapport à cette âme sœur, n'écoutez pas les autres. On vous demande de ne pas écouter les gens autour de vous. Surtout, n'écoutez pas les gens autour de vous. C'est parce que si on vous dit de ne pas écouter les autres, c'est que les autres ils vont tout faire pour bloquer votre relation. Donc on vous demande de ne pas écouter les autres et on dit ça, n'écoutez pas les autres et on parle d'un homme ou d'une femme blond aux cheveux clairs. Donc on vous demande de ne pas écouter quelqu'un de votre entourage qui apparemment a les cheveux clairs. Soit c'est vous qui avez les cheveux clairs, ou alors c'est quelqu'un que vous ne devez pas écouter qui a les cheveux clairs. Là, on parle de transformation, soit il y a des soucis de santé, soit il y a des soucis où on vous demande de faire un travail de transformation. De faire un travail de transformation et qu'en faisant un travail de transformation, on vous dit que vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes, la clé qui vous permet d'aller de l'avant, c'est vous qui l'avez. Mais vous devez d'abord faire un travail de transformation sur vous pour ensuite aller de l'avant. Et vous avez tout en main pour vous rapprocher de quelqu'un, vous rapprocher de la personne qui vous avez dans le cœur. Parce que là, on vous dit que vous avez tout pour vous rapprocher. Et qu'en vous rapprochant de cette personne, ça vous apportera la sérénité, le bien-être, une meilleure vie, une vie plus saine. Comme cet arbre qui a une très bonne, qui est en bonne santé. En bonne santé, donc une vie saine. Un arbre, il y a les arbres malades, il y a les arbres qui sont en bonne santé. Donc, ça vous apportera donc une bonne santé, de la sérénité. Et on vous parle de couple. Alors, soit vous êtes déjà en couple,
Ou alors vous voulez vous mettre en couple. Parce qu'on parle de sérénité, de bien-être dans un couple, par rapport à un couple. Là, on vous parle de santé. Il est possible que vous ayez des petits soucis de santé, mais que par rapport à la santé, on vous demande de garder l'espoir. Garder l'espoir parce que c'est comme si on vous dit que ça va s'améliorer. Les problèmes, les petits soucis de santé que vous avez, si on vous parle d'espoir, c'est que les choses vont s'améliorer. Et on parle d'espoir en rapport avec les autres, en rapport avec des personnes de votre entourage, en rapport avec des personnes qui peuvent vous aider. Et les autres, des personnes qui vivent à la campagne. Et que parmi ces personnes qui vivent à la campagne, eh bien, on parle d'une femme bienveillante. Donc une personne, une femme qui est là, qui se soucie du bien-être, de votre bien-être, du bien-être des autres, enfin bon, voilà. Là, on parle de complétude. Vous êtes là, mais vous ne savez pas trop qui est vraiment votre moitié. Vous voyez plusieurs personnes autour de vous et vous cherchez vraiment qui est votre moitié. Mais vous n'êtes pas éclairé, vous. Vous n'avez pas la lumière en vous. Vous n'êtes pas éclairé, vous n'êtes pas, comment dire, éclairé de l'intérieur, parce que là, on voit des personnes autour de vous qui ont de la lumière, mais vous non. Vous non. Donc, vous recherchez quelqu'un, la personne qui peut vous compléter, et que par rapport à cette personne que vous recherchez, on vous parle d'une personne du passé. On vous parle du passé. Du passé, il y a quelque chose en rapport avec le passé. Ça peut être une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Le passé représente aussi, l'ancien peut représenter aussi des blessures. Et que par rapport au passé, eh bien, on vous parle de... Il est possible qu'il y ait des blessures qui font qu'il y a un silence. Il y a un silence, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue avec une personne. Mais pourtant, on vous dit que malgré le... Il y a le silence, mais on vous dit que le silence vous apporte de la joie aussi. Peut vous apporter de la joie. Ben, des fois, le fait d'être dans le silence... Vous allez pouvoir recevoir des messages que s'il y a du bruit, c'est sûr que vous n'entendrez pas avec le bruit. Mais avec le silence, vous allez recevoir ces messages et ces messages peuvent vous apporter de la joie. Vous apportez de la joie vis-à-vis de votre âme. Le saint, c'est votre âme. Ça représente votre âme. Donc ici on parle d'un homme, mais que cet homme il a des blocages matériels et financiers, et que ces blocages matériels et financiers jouent sur sa santé. On lui demande de faire un travail de transformation, il y a des choses à transformer, et ça, en faisant ce travail de transformation, ça va améliorer la santé. Ça améliorera la santé. Et que vis-à-vis de la santé, par rapport à la santé, on parle de... Il est possible que votre santé soit aussi chamboulée du fait que vous cherchez vraiment qui est votre moitié, qui est la personne qui vous correspond mieux. Mais déjà, il faut déjà que vous-même fassiez un travail, parce que là, vous n'êtes pas éclairé, vous. Donc, contrairement apparemment aux les personnes autour de vous qu'ils sont, vous avez un travail de transformation à faire, de lâcher tout ce qui est mental, tout ce qui est négatif. Il faut lâcher tout ce qui est négatif. Ça vous abîme la santé, ça vous empêche de trouver la personne qui vous convient vraiment, avec qui vous avez un lien. Là, on parle d'une femme et que... Cette femme, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc,
Par rapport à cette femme, il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, eh bien, on vous dit que vous allez la rencontrer, et c'est prochainement. Et par rapport à cette nouvelle rencontre, on vous dit que c'est vous qui avez la clé pour ouvrir toutes les portes. C'est vous qui avez les moyens d'aller de l'avant. C'est vous qui avez la possibilité de faire bouger les choses. Et qu'avec la clé, on parle d'espoir, on vous demande de garder l'espoir, on vous demande de croire, d'avoir l'espoir que les choses s'arrangent. L'espoir par rapport à l'ancien. Alors l'ancien, ça peut représenter des problèmes, des blessures, des choses qui se sont passées dans le passé. Donc il y a eu des choses anciennes, dont d'autres vies dans cette vie-ci. Enfin, il y a des choses qui se sont passées par rapport à une femme. Donc cette femme, vous l'avez déjà connue dans d'autres vies. Ici, on vous dit que on parle de cœur brisé. De cœur brisé par rapport à une âme sœur ou à une âme jumelle. Il faut lâcher cette histoire du cœur brisé si vous sans cesse vous restez. Ben, c'est pas en remuant le couteau dans la plaie que ça va s'arranger. Donc c'est en rapport avec votre âme sœur ou votre âme jumelle, c'est ce cœur brisé. Mais on vous dit que vous avez les moyens de vous rapprocher. Vous allez pouvoir vous rapprocher. Vous allez pouvoir vous rapprocher de... Mais il se peut que les autres, soit c'est une bonne chose que vous ayez des personnes autour de vous, soit les autres, ils peuvent vous empêcher aussi de vous rapprocher. Donc les personnes autour de vous, ça peut être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise. Parce que ça peut vous permettre de vous rapprocher de la personne, mais en même temps, ça peut aussi vous bloquer, quoi. Et par rapport aux autres, vous, ce que vous recherchez, c'est le silence. Ben oui, c'est dans le silence que vous allez pouvoir régler ce que vous avez à régler, vous rapprocher, faire un travail sur vous. Mais apparemment, c'est surtout dans le silence que vous pensez à ce cœur brisé, à ce qui s'est passé. Ça peut être pour vous, comme ça peut être pour la personne qui est dans votre vie. Donc, ici, on vous dit que vous ressentez beaucoup de tristesse. Vous ressentez beaucoup de tristesse pour une personne, mais on vous demande de ne pas écouter les autres. Ce qui veut dire que les autres ne sont pas d'accord avec ce que vous ressentez. Il est possible que les autres vous déconseillent d'aller vers cette personne pour qui vous ressentez beaucoup de tendresse. Donc n'écoutez pas les autres, et que si vous n'écoutez pas les autres, vous allez avoir quelque chose de très très bien qui va arriver, très bien, qui est quelque chose qui va vous apporter la santé, la joie, la sérénité vis-à-vis de quelqu'un qui habite à la campagne. Il se peut que la personne qui vous apporte ces choses, pour qui vous ressentez beaucoup de tendresse, habite à la campagne, et on vous parle de joie. Ça peut vous apporter de la joie, le fait d'aller habiter à la campagne éventuellement. Ça peut vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de tendresse. Là, on parle d'abondance. Abondance pour un homme ou une femme aux cheveux clairs. Alors, cheveux clairs, on peut très bien avoir les cheveux gris, c'est des cheveux clairs aussi. Donc, de l'abondance en l'amour, de l'abondance, bon, ça peut être d'abondance dans plein de niveaux, dans plein de... financier, amour, enfin bon, tout ce que vous voulez, il y a de l'abondance. On parle d'abondance pour un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et on parle de vie de couple. Avec la bague, on parle de... Apparemment, il y a des personnes qui ont envie de se mettre en couple avec une femme qui est plutôt une femme plutôt bienveillante, bienveillante envers vous, bienveillante envers les autres. Et là, vous bienveillante envers votre âme. On parle de le saint envers bienveillante envers
ce que vous êtes réellement. Et ce que vous êtes réellement, c'est votre âme. C'est la lumière, c'est là, c'est dans la poitrine, c'est au-dessus de la poitrine, exactement. C'est au-dessus de la poitrine, c'est plus proche de la gorge que, voilà, c'est juste au-dessus de la poitrine. Donc, bienveillante par rapport à votre âme aussi. Alors ensuite, eh bien là encore, ben on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme, mais que par rapport à cette femme, on parle de trahison. Alors c'est soit il y a eu une trahison, moi j'espère pour vous que ce soit du passé et pas de l'avenir, on parle de trahison en rapport avec de la loi. En rapport avec de la loi, alors ça peut être au niveau administratif, ça peut être par rapport... il se peut, ou alors que c'est qu'un homme qui est dans la loi, un homme qui travaille dans la loi éventuellement, pour certains, qui travaille dans la loi, ou enfin du moins vous allez avoir affaire avec la loi. Et là, vis-à-vis de cet homme, on dit que cet homme il a de la clairvoyance, il voit les choses avant qu'elles arrivent. Ou alors on parle d'un homme et d'une femme qui a de la clairvoyance. Et là, on parle de collaboration avec une personne qui peut être dans la clairvoyance et que par rapport à cette... on parle de collaboration, donc il est possible que ce soit une collaboration au niveau professionnel. Et on parle de collaboration professionnelle, collaboration, ça peut être professionnel, ça peut être autre. Pour un homme, et que pour cet homme, on parle de progrès. On parle de progrès, il va y avoir une progression. Une progression, donc, ça dépend si on parle de progrès vis-à-vis d'un spécialiste. Alors, ça peut être vis-à-vis d'un... par rapport à des progrès par rapport à un spécialiste au niveau sentimental, je sais pas pourquoi je dis sentimental. Oui, pourquoi pas après tout. Il y a peut-être des personnes qui voient un spécialiste pour vis-à-vis de leur couple. Mais là, je pense que c'est plutôt un spécialiste, ça peut être au niveau médical, au niveau de la loi ou bien autre, un spécialiste. Vous allez devoir voir un spécialiste. On parle de progrès par rapport à un spécialiste. Et on vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous, vous avez le pouvoir. Même si vous avez peur, vous avez le pouvoir d'y arriver. Et on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation, que vous pouvez le faire. Et là, on parle d'hiver. Vous avez le pouvoir et on parle d'hiver. On vous dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. On parle d'hiver, alors ça peut représenter certaines choses, des prières, des affirmations qui vont être entendues en hiver, qui vont être réalisées en hiver. Ça peut aussi être... ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en hiver. Ou alors par rapport à l'hiver, il est possible, ou alors ça représente quelqu'un qui est né en hiver, ou alors l'hiver peut représenter aussi un froid, c'est-à-dire pas de dialogue. Il se peut qu'il n'y ait pas de dialogue, alors attendez un instant, j'ai un petit souci. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y avait un souci. Donc, il n'y a peut-être pas de dialogue par rapport à votre vie amoureuse. Il y a peut-être un froid. Et on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et par rapport à votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, on parle de naissance. Alors, ça peut être la naissance d'une relation, effectivement.
Là, on parle de naissance de bébé. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'une relation. Mais par rapport à cette naissance, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, on vous demande, on vous dit, vous êtes attiré par la lumière, mais vous avez des choses à lâcher. Vous devez lâcher des choses négatives. Vous avez à lâcher des choses négatives, comme cette histoire de trahison, parce que quand même, c'est quand même... donc, vous avez des choses à lâcher, mais vous devez traiter les gens à égalité. Vous devez accepter que nous soyons tous égaux. Vous devez trouver l'équilibre, être dans l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables, peu importe qu'on soit d'une couleur différente ou pas, on est tous faits de la même façon. Donc, considérez que nous sommes tous à égalité. Mais vous avez à lâcher certaines choses négatives et considérez que les gens, que nous sommes tous à égalité, traitez les gens à égalité. Et on vous parle de relations, dans vos relations, vous avez à traiter des personnes à égalité, traiter la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous avez un lien à égalité. Ne pas croire, ne pas vous dire, oui, ben, elle est inférieure. Non. Donc, on vous demande de traiter cette personne à égalité. Et c'est une personne qui est dans vos relations. On vous demande de faire preuve de compréhension, de compromis. Excusez-moi. De faire preuve de compréhension, de compromis. On parle de relation avec soi et les autres. Cette personne, elle est dans la lumière. Elle est toute entourée de lumière, une lumière très douce. Eh bien, vous, elle est dans vos relations. Mais vous devez accepter de la traiter à égalité. Et par rapport à cette personne qui est dans vos relations, eh bien, on vous dit que cette personne est dans la connaissance. Vous aussi, on vous demande de faire un travail, d'accepter la connaissance, que la connaissance vous apportera de la sagesse, de la force. Force, ce n'est pas une force spirituelle, c'est une force spirituelle, oui. C'est une force spirituelle, ce n'est surtout pas une force physique. Et là, on vous dit que, on vous demande de traiter les problèmes familiaux que vous avez. On vous dit que votre vie amoureuse sera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et par rapport à ces problèmes familiaux, on vous parle d'amour véritable. Donc vous connaissez votre amour véritable. Vous dites, voici l'amour de votre vie, mais par rapport à votre amour véritable, apparemment, il y a eu des tromperies entre vous. Il y a eu des tromperies. Il y a eu des tromperies, donc soit c'est vous qui avez trompé cette personne qui est votre amour véritable, ou alors c'est elle, enfin c'est lui ou elle. Et il y a eu des tromperies avec votre âme jumelle. Donc votre amour véritable est votre âme jumelle, mais il y a eu des histoires de tromperies. Il y a eu des choses... il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu des mensonges, des choses qui ont été faites. Et par rapport à votre âme jumelle, ou alors vous êtes avec votre âme jumelle et on vous dit laissez partir votre ex. Attendez, je ne vais pas vous laisser comme ça, on va en tirer encore quelques-unes pour voir. Ah, on vous parle de séparation. Donc, on vous demande de laisser partir votre ex. On vous parle de séparation et qu'il est peut-être temps, ou peut-être qu'on vous dit qu'il est temps de vous séparer vis-à-vis de votre ex. Donc là, pour moi, il y a encore une histoire de triangulaire. Et on vous parle d'amour non réciproque. Donc... Il n'y a pas d'amour réciproque entre vous. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer.
Et on vous dit que vous méritez l'amour. Apparemment, vous ne croyez plus en l'amour. Hein. Vous ne croyez plus en l'amour. C'est peut-être vous qui n'éprouvez plus pas d'amour, puisqu'on parle d'amour non réciproque. Vous méritez l'amour. Vous n'y croyez plus, apparemment, puisqu'on vous dit et que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour avec votre âme sœur. On parle de votre âme sœur. Donc vous avez une âme jumelle. Il est possible que ce soit votre âme jumelle que vous devez laisser partir. On parle de séparation. Et vous allez avoir votre âme sœur. Donc effectivement, comme ça dépend, si on est dans l'ombre, des personnes qui sont dans l'ombre, ont leur âme jumelle donc, avec des personnes qui sont dans l'ombre. Ceux dans la lumière ont de leur âme jumelle dans la lumière. Voilà, ça fallait que ce soit dit. Parce que, effectivement, quand on est dans l'ombre, quand on est dans le matériel, dans le financier, puis quand on a les mêmes attitudes, les mêmes. Effectivement, c'est sûr que voilà, les âmes jumelles, c'est des personnes qui se ressemblent. Jumelles, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Jumelles, c'est pas une personne qui est dans l'ombre avec une personne qui est dans la lumière. Une âme jumelle, c'est deux âmes qui sont pareilles, comme des jumeaux. Donc deux âmes jumelles, ça peut pas être une âme jumelle, une âme dans la lumière et une âme. Non. Par contre, âme sœur, oui. Mais jumelles, non. Donc, on vous dit que vous méritez l'amour par rapport à votre âme sœur. Et on vous dit qu'il y a des facteurs religieux. Il se peut que des facteurs religieux font que ça vous sépare, ça vous, avec votre âme sœur, vous ne vous entendiez pas. Ça peut être une source de discorde entre vous. Et on vous demande de dialoguer, d'ouvrir votre cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, d'avoir une conversation de cœur à cœur. Il y en a une personne qui est pour le dialogue, mais l'autre, il fuit hein, quand même. Et on vous parle de chimie. Donc, on parle de chimie, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.